à tous, bienvenue à l'émission « Dis-moi, apôtre ». Nous avons une question de Céline. Vraiment, je trouve la question très, très intéressante parce que l'une de mes passions, c'est d'aider les nouveaux convertis à réussir leur vie chrétienne. La question est celle-ci. Une fois que nous avons donné notre vie à Dieu, par où devons-nous commencer? Par où tu dois commencer? Trouver une bonne église locale. Dès que tu as donné ta vie à Dieu, à Jésus, tu dois trouver une bonne église locale. Et c'est quoi une bonne église locale? C'est une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et son intégralité. C'est une église qui parle de tout. Une église qui parle de sainteté, une église qui parle de mariage, une église qui parle de finances, une église qui parle de puissance de Dieu, une église qui parle de tout. Des actions du diable et comment les contrecarrer. En fait, une église qui veut vraiment te faire grandir dans la parole de Dieu. Et comment reconnaître cette bonne église? Le deuxième point, c'est la présence de Dieu. Une église où il y a vraiment une forte présence de Dieu. Et comment tu reconnais que l'église a une forte présence de Dieu? Quand tu vas arriver à l'église, tu vas ressentir dans ton esprit la présence de Dieu et tu ressentiras que c'est là où tu dois être. Quand tu choisis une église, tu sens que tu es au bon endroit et c'est là où tu dois être. OK? Donc, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain 10 mois apôtre. Mais la deuxième chose à faire lorsque tu as donné ta vie à Dieu, ce sont tes amis. C'est important que tu puisses avoir des amis chrétiens désormais parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. OK? Donc, lorsque tu auras trouvé une bonne église et que tu auras des bons amis, eux, ils te diront ce qu'il faut faire. Quand l'apôtre Paul s'est converti, on l'a indiqué un endroit où il devait aller et on lui a dit, ils te diront ce que tu dois faire. Voilà, donc tu dois trouver maintenant des chrétiens qui craignent Dieu, fouillent les passions de la jeunesse et recherchent la paix, la joie, la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Toi aussi, tu as des questions que tu aimerais nous poser. Je t'invite à le faire via les commentaires juste en bas. Tu postes ta question en postant un commentaire et nous allons y répondre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Évangile TV, je t'invite maintenant à cliquer sur « S'abonner ». Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche et sur le « J'aime ». Ça ne mange pas de pain. Que Dieu vous bénisse.